Salut tout le monde, c'est Miru83, on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour 3 vidéos de gameplay en multijoueur. Et aujourd'hui, lors de cette vidéo, je vais vous parler de deux sujets, enfin principalement de deux sujets. Donc le premier va concerner en fait le prochain Call of, à savoir Advanced Warfare. Donc je vais vous donner pas mal d'informations en ce qui concerne ce dernier. Et le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc ça va être du projet que j'avais décidé de vous proposer il y a quelques mois, c'est-à-dire de monter les armes des DLC en or sur Call of Duty Ghost, hein, mais qui est un projet malheureusement que j'ai décidé de laisser tomber. Donc je vais vous évoquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter ceci, mais rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle derrière ça que je vous dirai en fin de vidéo, tout simplement, enfin en fin de vidéo, en fin de commentary plutôt, parce que je vous mets trois gameplays, mais je pense que j'aurai fini commentary avant le troisième gameplay, tout simplement. Mais voilà, donc avant de vous parler de ces deux sujets là je vais d'abord vous présenter le premier gameplay justement que vous pouvez voir en ce moment même. Donc comme vous pouvez le voir, je suis un peu freight en mode match à mort par équipe, et la classe que je vais utiliser lors de cette partie, ça va être la SMG, donc qui est la X, avec laquelle j'ai décidé d'équiper de deux accessoires qui sont la poignée et le chargeur de grande capacité. Comme arme secondaire, j'ai l'USR avec le chargeur de grande capacité, donc j'utilise pour cela l'atout sur armement, sinon je ne pourrais pas utiliser le sniper en tant qu'arme secondaire, hein. Et comme autre atout, j'ai également fin prêt, marathon, silence de mort et gilet pare-balles, enfin gilet pare-balles, bouclier anti-explosion pour ceux et celles qui n'ont pas connu l'époque de Black Ops 1. Moi j'ai gilet pare-balles, mais il faut savoir que c'est pareil que bouclier anti-explosion, c'est-à-dire qu'on a plus de résistance face aux dégâts explosifs, surtout quand dans Call of Duty Ghost où les mecs s'amusent à mettre plein de EI, et bon, de toute façon vous connaissez la musique, hein, on va pas s'arrêter là-dessus, surtout qu'on arrive en fin de période de Call of Duty Ghost. Et en ce qui concerne les killstreaks, j'ai choisi la catégorie assaut, et comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, j'ai l'IMS, la tourelle et le pilote d'hélicoptère. Donc c'est une partie qui s'est bien passée pour ma part. C'est un gameplay que j'ai enregistré sur PS4, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en 1080p de manière à profiter un maximum de la qualité visuelle de la vidéo. Donc dorénavant toutes les vidéos que je vous propose sont enregistrées sur la PS4, hein. Donc d'ailleurs vous avez pu voir au début de mon intro un petit texte où je vous conseille de mettre la vidéo en Full HD, de manière encore une fois à profiter un maximum de la vidéo. Donc là au passage, un bullshit que je me suis pris, je n'ai toujours pas compris pourquoi, même en regardant la keycam une dizaine de fois, je n'ai pas compris comment le mec a réussi à me one shot avec une Vector silencieuse. Enfin, je me souviens, Gotaga c'était plein d'un Vector, et je comprends pourquoi, parce que franchement elle est vraiment abusée ces derniers temps. On se fait tuer pas mal de fois avec des Vectors, et franchement se faire tuer comme ça c'est assez relou. Mais voilà, bref, on va pas s'attarder là-dessus encore une fois, parce que j'ai deux sujets dont je tenais à vous parler lors de cette vidéo. Donc voilà en ce qui concerne le gameplay, hein, comme je vous l'ai dit, donc c'est une partie pas exceptionnelle, mais qui s'est plutôt bien passée pour ma part, où il y a pas mal de rush, etc. Et voilà, j'aime bien ce genre de gameplay, donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous le proposer. Donc aujourd'hui, donc je vais d'abord vous parler du Call of Advanced Warfare, hein. Donc en ce qui concerne les armes, les atouts, les exosquelettes, etc., je vous conseille d'aller voir la vidéo de Skyros, parce que je comptais vous proposer et vous parler de tout ça, mais j'ai vu récemment que Skyros a fait une vidéo où il vous explique tout cela, et c'est une vidéo bien détaillée, etc. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description de ma vidéo. Donc voilà, pour tout pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations en ce qui concerne Advanced Warfare, donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, et je vous mettrai également un lien d'un site qui est Code France, où il référence toutes les informations à propos de Advanced Warfare, de manière à ce que vous sachiez le maximum de choses à prochain du Call of Duty de Sledgehammer Game. Donc voilà, donc je tenais à vous parler des éditions collector, chose que n'a pas fait Skyros par contre, mais qui date un petit peu. Mais par contre, il y a une chose qui ne date pas, parce que ça a été communiqué par Activision le jour même de la conférence du multi de Advanced Warfare, hein, qui s'est déroulée en Allemagne à Cologne, donc lors de la Gamescom, enfin un peu avant, en amont de la Gamescom justement. Donc les éditions collector, il faut savoir que vous en avez deux. Donc la première est proposée au prix de 80 €, et il faut savoir que c'est des éditions limitées. Donc si jamais vous les voulez, essayez de vous bouger un peu le derrière, parce que si jamais vous vous bougez pas, elles risquent d'être toutes prises, et du coup vous ne pourrez plus vous les procurer. Donc voilà, c'est des éditions limitées, excusez-moi du petit bug. Donc la première, qui est édition Atlas, qui est proposée au prix de 80 €. Donc vous avez, alors attendez, je vais aller sur le site parce que je ne connais pas tout par cœur évidemment. Donc vous avez dedans comme contenu donc la carte multijoueur Atlas George, qui est une version refaite de la map de Call of 4. Alors je ne sais pas trop laquelle c'est, mais bon,
bon, on verra ça un peu plus tard lorsque le jeu sortira, hein, tout simplement. Vous avez également le BAL 27 AE qui est un fusil d'assaut et l'ATLAS 45 AE qui est un pistolet. Donc tout ce que je vais vous dire par la suite, ce sont des contenus in-game. Hein. Par exemple, les armes là, ce n'est pas des miniatures des armes en vrai. Enfin, de toute façon, en plus, c'est des armes du futur, donc je ne vois pas comment elles pourraient exister. Mais enfin, voilà, c'est dans le jeu parce que imaginez-vous que si jamais c'est des miniatures, etc., l'édition collector coûterait bien plus cher que 80 € forcément. Donc voilà, vous avez deux armes, donc le pistolet et le fusil d'assaut. Vous avez l'exosquelette Atlas, vous avez le casque Atlas, la carte d'agent Atlas, 5 ravitaillements bonus. Au passage, le premier gameplay vient de se terminer, donc je vais lancer le deuxième gameplay qui lui se déroule sur la map Tremor en match et mort par équipe. Donc attendez, je vais lancer le deuxième gameplay. Tac tac tac. Attendez, parce que la vidéo fait et dure assez longtemps, donc du coup faut que je trouve le bon moment. Voilà, c'est bon. Donc c'est une partie qui va bien se dérouler pour ma part. Donc comme classe que je vais utiliser, ça va être le TAC 12, comme vous pouvez le voir. Enfin, là, vous voyez, là, on est batteur, mais je vais changer. Hein. Je vais prendre le TAC 12 avec lequel j'ai décidé d'équiper comme accessoire le frein de bouche et la poignée. Comme équipement mortel, j'ai le C4. Je n'ai pas d'armes secondaires ni d'équipement tactique. Et en ce qui concerne les atouts, j'ai fin prêt, marathon, silence de mort, résistance, bouclier anti-explosion et détermination. Et en ce qui concerne les kill streak, j'ai l'IMS, le Trinity et le mastodonte fou. Donc, j'ai utilisé la catégorie assaut. Hein. Et puis voilà, en ce qui concerne ce deuxième gameplay, donc on va revenir au contenu de la première version de la première édition collector, donc qui est proposée encore une fois, je le répète, au prix de 80 €. Donc vous avez, je répète, donc la carte multijoueur Atlas George, le fusil d'assaut et le pistolet Atlas 45 AE. Vous avez l'exosquelette Atlas, le casque Atlas, la carte d'agent Atlas, 5 ravitaillements bonus. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, je vais essayer de m'en informer un peu plus et de vous dire tout ça dans la description de la vidéo. Vous avez un jeton d'amélioration exosquelette pour le mode histoire. Vous avez le manuel du soldat avancé, bienvenue à Atlas. Donc je vais vous montrer des petites images de manière à ce que vous puissiez voir ce que c'est, hein, tout simplement. Vous avez également un boîtier steelbook exclusif. Et vous avez enfin la bande son officielle du jeu, c'est-à-dire l'OST qui regroupe les musiques du jeu, tout simplement. J'ai la bouche un peu sèche, c'est un peu galère pour commenter, donc désolé si j'ai un peu de mal à commenter, parce que en plus ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas commenté, donc c'est un peu galère de reprendre, et en plus j'ai la bouche un peu sèche, donc mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que le contenu soit là. Donc voilà, en ce qui concerne justement le contenu de la première version collector, hein, qui je le rappelle s'appelle l'édition Atlas, et vous avez la deuxième version collector qui elle s'appelle... la Atlas Pro, et elle est proposée au prix de 110 € et en ce qui concerne le contenu, vous avez tout ce qu'il y a dans la première version collector, sauf que vous avez en plus de ça les season pass. Donc pour ma part, je pense que je vais prendre l'édition collector à 80 € et non pas celle à 110, parce que là je ne sais pas s'il y aura mode secondaire, et une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de mode zombie ni de mode extinction, parce que ce n'est pas Treyarch ni Infinity Ward qui fait ce call off, hein. Je rappelle que c'est Sledgehammer Games, ceux qui ont fait le mode survie de MW3 si mes souvenirs sont bons et si je ne dis pas de conneries surtout. Donc voilà, c'est un studio tout nouveau, enfin tout nouveau, en tout cas c'est un nouveau studio qui fait un call off et qui on l'espère va essayer de nous satisfaire, parce que Ghost a déçu à pas mal de monde. Alors moi pour ma part, je suis m'adapter, mais c'est clairement un des Call of que j'aime le moins. Enfin, je préfère largement les Call of de Treyarch de toute façon, à savoir Call of 5, World at War, Black Ops 1 et Black Ops 2. Après voilà, j'aime bien Ghost, mais il y a des choses qui font rager. Les choses qui font rager sont trop importantes, comme le I, le chien. Enfin, le chien encore, on le voit un moins en ce moment. Bon, il est un peu abusé. Et surtout, voilà, le manque de vie, la communauté, la lunette thermique et tout. Enfin voilà, c'est des choses qui font trop rager. Il y a toujours des choses qui font rager dans tous les Call of, et il y aura certainement des choses qui nous font dans le prochain Call of, mais celles dans Ghost, franchement, elles sont trop abusées, et c'est pour ça que je pense que ce Call of là est l'un des Call of les moins appréciés par la communauté. Donc voilà pour ce petit aparté. Donc voilà, je vais prendre certainement donc la première version collector, si jamais elle n'est pas en rupture de stock, parce que je n'ai pas encore commandé, il faut que je le fasse. Et aussi, chose que je n'ai pas dit, que j'allais oublier, mais Activision a récemment dévoilé que si jamais vous précommandez le jeu, ça marche aussi
pour les versions collector, hein, vous bénéficierez de l'édition Day Zero. Donc qu'est-ce que l'édition Day Zero? C'est tout simplement que ça vous permettra de jouer, de vous procurer le jeu un jour à l'avance, donc le 3 novembre, excusez-moi, au lieu du 4 novembre, et vous bénéficierez de 24 heures de double XP, ainsi que, alors attendez, je vais aller sur le site, ainsi que l'arbalète, je me souviens, comme arme, et un fusil d'assaut, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je vous conseille de, enfin, si jamais vous pensez que le jeu vous intéresse, de précommander le jeu, de manière à vous procurer ces fameux bonus, parce qu'à mon avis, vous ne pourrez pas les obtenir, en tout cas, vous pourrez les obtenir ultérieurement, je pense, mais il faudra payer avec un DLC, je suppose, hein. Mais voilà, en ce qui concerne Advance Warfare, donc j'espère que j'ai tout dit, désolé pour les petits bugs. Et le deuxième sujet dont je tenais à vous parler, c'était tout simplement du projet que j'ai décidé de laisser tomber, c'est-à-dire de monter les armes des DLC en or sur Call of Duty Ghost, hein, c'est-à-dire la Reaper, la Maverick et Mavericka 2. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de laisser tomber ceci, tout simplement principalement à cause des défis d'armes qui sont pour le coup dans Ghost pas très intéressants. Je pense notamment aux défis d'armes allongées, aux défis accroupies, aux défis également penchés. Voilà, c'est des défis qui incitent à camper et franchement je ne vois pas l'intérêt de vous proposer ce genre de vidéo, surtout avec le sniper. Ça, je vous l'avais dit lors de mes précédentes vidéos que j'avais décidé de monter le sniper en or hors vidéo, parce que voilà, voir quelqu'un faire des kills allongés, penchés, accroupis en vidéo, je ne vois pas trop l'intérêt, ça doit pas être très plaisant à regarder. Et pourquoi j'ai décidé de laisser tomber la Maverick et la Reaper, tout simplement, bah, la Maverick, enfin encore la Maverick ça va, j'aimais bien, mais il y a les tirs accroupis qui sont super longs à faire, surtout que je ne suis pas en tactique donc c'est un peu long à faire. Il y a les tirs penchés aussi qui sont assez casse-couilles, et la Reaper, franchement c'est une arme qui m'a déçu, elle a aucune puissance et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal ragé lors de mes vidéos justement où j'ai monté ces armes là en or. Et malgré le fait que j'ai ragé, justement, je ne pensais pas que mes vidéos, enfin que ces vidéos-là, en tout cas, allaient vous plaire. Et j'ai vu dans les commentaires à quand la suite de l'épisode de la montée au nord, de la Reaper, de la Maverick, etc. Et je vous ai dit, bon, j'ai répondu à ceux qui m'ont posé la question, hein, malheureusement, je vous ai dit que j'ai décidé de laisser tomber. Et vu que ça vous a plu, je me suis dit, pourquoi pas vous faire la montée au nord, mais cette fois-ci du TAC-12 et du FP6, qui sont deux fusils à pompe que j'aime bien. Au départ, je voulais faire tous les fusils à pompe, mais vu qu'il y a le MTS et le Bulldog qui sont semi-automatiques, franchement je ne les considère pas comme des vrais comme des vrais fusils à pompe. Donc de la même sorte que je considère le VKS et le Lynx comme des faux snipers, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile d'utilisation que l'USR ou encore le L115. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous proposer, et cette fois-ci je vous promets de faire tout de A à Z, de monter le FP6 et le TAC-12 de A à Z en vidéo, voilà, en espérant que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, comme ça au moins pour que je puisse savoir si je vous le fais ou pas, si je vous le propose ou pas. Et voilà, au moins je ragerai certainement beaucoup moins, à part si je me prends énormément de hitmarkers, parce que c'est des armes que j'aime beaucoup utiliser, contrairement à la Reaper. Moi je suis plus un joueur AR, mais j'aime bien le fusil à pompe sur Call of Duty Ghost, surtout le TAC-12 qui est un de mes fusils à pompe préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si tout cela vous plaît et vous intéresse, et surtout comme ça si jamais ça vous intéresse, je vous propose tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc tout ce que je vous ai dit lors de cette vidéo, vous retrouverez le tout dans la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo, excusez-moi de la répétition, vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui fait plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Allez, salut. Général. Au boulot, escouade gauche.
name basis. In your city faded on the ground. We know she insists she got more class. We know swimming in the money, come and find me. Nemo, if I was at the club, you know I balled. Nemo, drop the mixtape, that shit sounded like an album. Who'd have thought a countrywide tour be the outcome? Everybody got a deal, I did it without one. Killing all these rappers, you would swear I had a headless. Everyone who got me, I'm asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Bonus spécialiste remporté. Till that bitch came and we all fall like the ball teams. Just so I can make it rain all spring. Y'all seen my story, my glory. I had raped the game young. You could call it statutory. When a nigga blow up, they gon' build statues from me. Oh money, Benjamin Button, what nothing. Chicks giving me mick loving. You would think I ran the world like Michelle's husband. You would think these niggas know me when they really doesn't. Like they was down with the old me. No, you fucking was. And you was. You shot me fucking loser. I used to want this thing forever, y'all can have it back. Communication satellite, technique, technique.